Good morgen, allez, Iden Nessus, aujourd'hui le Lunishmat, Moïvrabi Shmuel ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin ben Mazal, ainsi que Birfouat Sarabat Betirivka, Rafael Zoulon ben Chayamale Avatar, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, afin de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Choulin, Perek Alef, Mishnah Dalet. Ashochet Minatzdadin, Shchetotok Shira, Amonek Minatzdadin, Melikatopsula. Ashochet Minaoref, Melikatopsula. Amolek Minaoref, Melikatok Shira. השוחט מן הצוואר, שחיטתו כשרה. המולק מן הצוואר, מניקתו פסולה. שכל העורף כשר למניקה, וכל הצוואר כשר לשחיטה. נמצא, כשר בשחיטה, פסול במניקה. כשר במניקה, פסול בשחיטה. On va d'abord rappeler une notion qu'on a appris dans Masechet Zvachim essentiellement. Vous vous rappelez, je vous avais fait la démonstration avec mon petit Mickey. Lorsqu'on égorge, lorsqu'on fait la shrita d'un animal, alors on lui prend la tête, on la tend en arrière, de manière à mettre en évidence le cou, afin de couper les deux conduits, la trachée artère et l'œsophage, kané et véchette en hébreu, et donc de les découper comme ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment, les lichot shrita. Lorsqu'on fait la melika au Beth Amikdash, c'est-à-dire lorsqu'on va abattre des torim ou bnei yona, des volailles, tourelles ou des bnei yona, des pigeons, alors on fonctionne à l'envers. On va lui courber la tête vers devant, de manière à ce qu'on va voir toute sa nuque bien courbée, et le kohen va prendre avec son ongle et devait enfoncer jusqu'à couper l'âme afrekette et les deux simanim. L'âme afrekette, c'est ce qu'on appelle la nuque. D'accord ? Où il y a là-bas, comme celui qui reçoit le coup du lapin, on peut en mourir de ça, bien sûr. Ça sectionne, apparemment, c'est la deuxième vertèbre sous le cerveau, l'axis. Il y a l'atlas et l'axis, c'est les deux en haut. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est là-bas où ça se sectionne, et donc on peut en mourir par là. Donc on casse la mafraquette avec l'ongle, et puis après, on doit atteindre les deux simanimes, les deux conduits, la trachée artère et l'œsophage. D'accord ? Donc si vous faites attention, on a la shrita passe par devant et la melika passe par derrière. Lorsqu'on passe par derrière, avant d'atteindre les deux conduits que l'on cherche à sectionner par la shrita, on casse d'abord la mafraquette. De manière générale, quelqu'un, un humain ou un animal qui a la mafraquette cassée, la mafraquette, donc la nuque, ce qu'on appelle la nuque, apparemment ça correspond plus à l'axis, c'est la deuxième vertèbre donc, quelqu'un qui a la mafraquette cassée, eh bien, il est taref. Il va mourir dans quelques heures, jours ou mois. En tout cas, il passe pas l'année. C'est sûr, c'est une tréfa. D'accord ? De ce fait, il y a quelque chose de... Je vous fais tâtonner un petit peu le problème, comme ça, après, quand on va lire la Mishnah, ça ira plus vite. De ce fait, on a un petit problème. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'original. C'est que... D'abord, je vous ai dit, on doit, en théorie, couper les deux simanim. D'accord ? C'est sectionné avec le couteau lorsqu'on fait la shrita, on doit sectionner la trachée artère et l'œsophage. Maintenant, ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est qu'en réalité, peut-être que oui ou non, a priori, il faut passer vraiment par en face, par le devant, directement, mais même si on passe par le côté, ça marche. L'essentiel, c'est de couper le cou jusqu'à qu'on atteint ces deux simanim. Il y a juste une chose qui est interdite, c'est de passer par derrière, par la nuque. Pourquoi ? Parce qu'avant d'atteindre les simanim, avant d'atteindre ces deux conduits, tu vas d'abord rendre à l'animal taref, puisque tu vas lui casser la mafraquette, tu vas lui casser donc l'axis, avant de pouvoir lui sectionner l'œsophage et la trachée artère. De ce fait, on ne peut pas faire la shrita en passant par derrière, d'accord, par la nuque. On ne peut pas prendre un animal par la nuque et le couper comme ça. Il s'avère qu'en fait, on a deux choses qui sont inversées. Pour les kochim, pour les volailles, la Torah nous a dit, tu passes par derrière, tu lui casses la, tu lui perfores, tu lui coupes la mafraquette avant d'atteindre les deux simanim, tandis que lorsque tu fais la shrita, tu vas lui couper les simanim, et surtout pas la mafraquette, parce que si tu coupes la mafraquette, donc l'axis, enfin la nuque, si tu vas lui couper la nuque avant d'atteindre les deux simanim, tu vas rendre l'animal taref auparavant. D'ailleurs, on n'a pas de contradiction à passer par derrière, si ce n'est le fait qu'on rencontre justement la nuque.
Il y a un cas de figure, par exemple, où on peut jouer un peu dans, avec le coup du, avec un poulet, j'imagine que ça doit être assez faisable. On s'amuse avec les, on peut prendre les deux conduits et les amener par derrière et se mettre à les couper par derrière avec le couteau de la shrita. Ce sera aussi permis à posteriori, puisqu'on n'aura pas coupé la mafrekat avant. D'accord ? Maintenant, tout ce qu'on a dit, vous allez le voir, c'est écrit dans la Mishnah, et on va tout le réexpliquer au fur et à mesure, mais ça va être beaucoup plus simple. Ashochet minatzdadin, shrita tokshira. Celui qui fait la shrita en passant de côté. Le Rambam écrit, c'est rapporté dans le Tosafot Yom Tov, il écrit qu'a priori, il faut passer par devant. Il y en a qui expliquent que c'est pour ne pas faire souffrir la bête de trop. Il n'y a pas d'intérêt à lui couper une épaisseur de viande, de chair, de muscles. Du coup, pour rien, si on a moyen de passer par en face, exactement à l'endroit du cou, précisément en face, et on coupe directement les deux conduits, de manière à ce que la bête ne souffre pas. Mais malgré tout, la Mishnah mentionne qu'a posteriori, on peut même passer par le côté, on peut lui faire la shrita en tranchant doucement, et on avance, et on coupe une tonne de chair jusqu'à qu'on arrive aux deux conduits et qu'on les coupe tous les deux, qu'on les sectionne, comme on a appris. Donc, la shrita sera validée. Si vous regardez dans le Barthénois, il permet même a priori de passer par les côtés. C'est discuté dans le Tosafot Yom Tov, il rapporte des preuves du Rambam, du Moké Youssef, Bach, qu'il faut a priori éviter de le faire, mais il ne faut passer que par devant. Mais en tout cas, la Mishnah enseigne, je reviens sur la Mishnah, me dit même si on coupe par le côté, donc on tranche, jusqu'à qu'on arrive aux deux simanim, c'est kasher. Tandis que Hamolek Minazdadin, si on faisait la Melika, qui est l'abattage rituel au Bet Amikdash, où on passe, justement, on doit passer par la nuque avec l'ongle, eh bien, Melikato Psula, la Melika sera invalidée parce qu'il faut nécessairement commencer par couper, sectionner la mafreket avant d'atteindre le simanim. C'est le contraire. D'accord ? Maintenant, Ashochet Minaoref, celui qui va faire la shrita, l'abattage rituel pour manger la viande, Minaoref, en passant par la nuque, il commence par derrière et il va sectionner en passant par la nuque. Donc il va couper la mafreket, il va couper. Je pense que c'est l'axis. Il va commencer à couper sectionner ce vertèbre de par derrière avant d'atteindre les deux conduits de la trajectoire de l'œsophage. Eh bien, shritato psula, sa shrita sera invalidée. Elle sera psula. Là, le Barthénois nous précise ce que je vous ai dit tout à l'heure, que si toutefois on va jouer avec les deux conduits, on va les faire passer par derrière avec un coup de poulet, ça doit pas être très difficile. Quand on fait la shrita du poulet, on voit bien que le shochet il attrape. Là, il tend bien le cou et on voit très nettement les deux conduits de l'œsophage et de la trachée artère. Donc j'imagine qu'on peut facilement s'amuser à les retourner, à les faire passer sur le nuque. Donc, le Barthénois nous précise que si toutefois on prend les deux simanimes, je dis que ça s'appelle les deux simanimes, les deux conduits, on les met derrière sur le nuque et on les sectionne de par derrière, c'est permis, il n'y a aucun problème. D'accord ? Mais en tout cas, pour le moment, on parle de quelqu'un qui prend un couteau normalement, qui va faire la shrita en passant par derrière. Donc un shochet mina oref, celui qui va faire la shrita en passant par la nuque, shritato psula, sa shrita elle est invalidée. Par contre, un molek minaoref, s'il fait la melika en passant par derrière, alors bien évidemment, melikato kshira, c'est comme ça qu'il faut faire, sa melika est kshira. Maintenant, ashochet minatsavar, celui qui va égorger, du coup, en passant nettement par devant, pas sur le côté, ni par derrière, mais par devant, franchement. Alors là, bien évidemment, shritato kshira, sa shrita elle est kshira, pas que a priori, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Tandis que Hamolek Minatsavar, celui qui fait la Melika, l'abattage au Bet Amikdash pour le poulet, en passant par devant, Melikato Psula. Et la Mishnah doit nous donner la généralité, Shekola Oref Kacher la Melika. Il s'avère donc en fait, toute la nuque, elle est Kshera, c'est par là que tu dois passer pour pouvoir valider la Melika, l'abattage du Bet Amikdash. Tandis que tout le cou, il est kasher pour faire la shrita. D'accord ? Et de donner maintenant la généralité, il s'avère donc qu'on va voir une chose à l'inverse de l'autre. La Torah m'a donné la mitzvah de Melika et la mitzvah de Shechita, en me disant en fait que kasher, venimtsa, il s'avère, kasher va shechita, pasoul ba Melika. Ce que je t'ai permis et recommandé de faire pour la shrita, il sera invalidé lorsque tu devras faire la Melika. Et kasher ba melika, pasoul ba shechita. Et ce qui sera permis, recommandé de faire pour la melika, pour l'abattage du Bet Amikdash, eh bien, si tu prenais le couteau et que tu voudrais faire la shechita par là-bas, ce sera nécessairement interdit. Il n'y a aucun endroit dans l'animal où tu peux te débrouiller à passer pour que ce soit un endroit validé si tu venais avec un couteau ou si tu venais avec ton ongle pour le Bet Amikdash. Il n'y a pas d'endroit pareil. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord ? On a fini la Mishnah. Entre parenthèses, du coup,
pour les prochaines Mishnayot, jusqu'à la fin du Pérek, on va s'amuser à rapporter des tas d'endroits dans la Torah où ce qui est permis pour l'un, c'est interdit pour l'autre, et ce qui est permis pour l'autre, c'est interdit pour l'un. Et comme ça, ça va être la suite des Mishnah jusqu'à, je crois, à la fin du Pérek complètement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine.